blog, nous sommes le jeudi 12, ouais, c'est ça, 12 janvier, et il est 9h30 déjà. Ouais. Je voulais prendre un peu plus tôt, mais du coup, je sais pas, je me suis mis à passer mon aspirateur. Et puis du coup, après, il a fallu que je vide mon aspirateur, puis après que je le nettoie, puis après je mette ma machine. Ça vous fait ça des fois? En fait, c'est pas prévu, mais il y a toujours un truc qui se rajoute à faire. Enfin bref, hein. Tout le monde connaît ça. Tout ça pour dire, là je vous fais une petite intro face cam. Je vais pouvoir enfin vous montrer mes coloriages terminés du mois parce que ça y est, en fait, c'était la battle de Joël et Colorfia. Je suis passée au premier round, mais là, le deuxième round, je passe pas au troisième donc voilà, je vais pouvoir vous montrer tous mes colos ensemble. Je préférais, ça m'embêtait de vous montrer le début de mes colos puis vous en montrer qu'un après. C'est pour ça que je préférais attendre avant de vous montrer. C'est pas grave, je vais vous montrer maintenant. Et puis je me suis dit que j'allais juste vous montrer mon point de croix. Alors c'est juste 2 minutes, hein. Voilà, ça ne prendra surtout pas le loisir du colo parce que je vois hier, je m'y suis mis parce que je savais que ma maman allait arriver, donc je me suis dit ça sert à rien que je me mette à colo. Donc je me suis dit bah tiens, je vais faire un peu de point de croix. Et puis en fait, je m'y suis mis 1h30, je crois. Et en fait, au bout d'une heure et demie, je me suis dit, c'est bon, il faut que je m'arrête parce que, ben, en fait, ça m'énerve. Donc, j'aime bien en faire un peu, voilà. Par exemple, le colo, j'en fais 2-3 heures, ça m'énerve pas, quoi. Mais bon, là, le point de croix, au bout d'un moment, en plus, ma toile n'est pas estampée, elle n'est pas imprimée. Donc, en fait, il faut que je compte toutes mes croix, donc c'est un peu long. Je trouve que j'ai déjà passé beaucoup de temps pour le peu que j'ai fait, mais bon, je vais vous faire voir quand même. Donc, je vais vous refaire voir le dessin. Donc, j'avais pris ça. Voyez, c'est avec le petit. Voilà. En fait, la pensée pas si grande que ça, la toile. Moi, j'y connais rien en vrai. Hein. C'est juste un petit passe-temps. Voilà. Quand je mets dans mon canapé, je fais ça en attendant quelque chose, en fait. Et puis, en fait, ça me prend en ce moment. Et puis, aussi bien, je vous montre ça. Puis, dans un mois, je vous en montre plus. Hein, mais bon. Voilà, j'ai commencé à faire ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, c'est des toutes petites croix. Voilà. J'ai déjà passé pas mal de temps pour faire que ça. Hein. Alors, voilà. Voilà pour ça. Je range ma petite toile parce que je veux pas qu'elle se salisse. Voilà. Sinon, eh ben écoutez, je vais vous reprendre de face bureau. Ah oui, en fait, hier, je suis allée me promener un peu aussi. Ça faisait au moins 1 an et demi que je ne m'étais pas acheté de fringues. Ouais. Et hier, c'est pas parce que c'était les soldes, hein, mais j'avais dit à mon mari, bah écoute, je crois que c'est la semaine dernière. J'avais dit, oh bah mercredi prochain, on sortira. Et puis moi, je verrai me racheter quand même des pantalons parce que franchement, je t'en ai qu'avec plus que 3 de pantalons. J'avais plus que 3 pantalons de correct. Donc je dis là, ça va plus quand même. Il faut quand même que j'aille m'acheter des fringues. Moi, m'acheter des fringues, c'est pas mon truc que je préfère. En fait, ça me saoule d'aller dans les magasins, de me dessaper, d'essayer tout, de me ressaper. Ça m'énerve. Bref, donc hier, je me suis quand même racheté 3-4 pulls. Vous savez, les petits pulls un peu à la mode, assez courts. Du coup, je me suis trouvé 2-3 chemises pour aller en dessous. Et puis, je me suis racheté 2 pantalons. Donc j'étais contente. Rien n'était en solde. Hein. De toute façon, quand c'est le moment des soldes, je trouve jamais rien en solde. Et puis après, bah, je suis allée chez Cultura, je me suis acheté que ça. Parce qu'en fait, il me manquait cette couleur-là. Donc ça, vous savez, c'est les Faber-Castell Pitts. Avec une mine comme ça. Moi, je les utilise que pour mes mystères. Il me manquait le 146 en bleu, mais ça y était plus. De toute façon, ça m'énerve avec Cultura. J'ai l'impression que je trouve de moins en moins de choses. C'est pareil, là, je m'étais acheté ça. Alors pour l'instant, c'est encore là-dedans. J'aimerais bien me trouver genre une petite boîte d'allumettes pour les mettre. Vous savez, les petites pastels comme ça, c'est Nelier. Et en fait, j'ai pris la argentée, la dorée, et je voulais la blanche, bah, un peu effet nacré, tout qui brille. J'arrive pas à la trouver, ils l'ont jamais. Alors, c'est trop chaud. Je sais pas, alors, je commence ça ou pas. Enfin, après, je suis pas pressée de la voir, c'est pas ça, mais. Enfin, voilà quoi, je voulais rien que ces 3 couleurs-là. Et puis, il faut voir, quoi, quand on arrive à Cultura, enfin, les gens, ils prennent soin de rien, quoi. Les pastels, c'est Nelier, enfin, je sais pas, c'est. Ça coûte cher, quoi. Moi, j'en prendrais soin. Et en fait, c'est le bric-à-brac là-dedans. Enfin, bref. Donc, je me suis trouvé que ces 2 feutres-là. Donc, voilà. Mais comme j'avais déjà pas mal dépensé pour mes fringues, finalement, ça m'arrangeait un peu. Voilà pour ça. Et puis, bon, bah là, voilà. Je vais vous reprendre de face bureau et je vais donc vous montrer mes coloriages terminés du mois. À tout de suite. Donc, nous revoilà face bureau. Je vais commencer, comme d'habitude, par mes petits colos rapides. Donc, là, j'avais fait la page 27 et 28 dans le Tsum Tsum. Voilà, j'avais fait celui-là, donc vous savez que celui-ci, moi et mes points de croix en ce moment, voilà, donc je fais ça, et j'ai fait celui-là. Regardez,
Rien d'extraordinaire. Ça, je l'ai fait au peine. Je mélange tout le temps. Peine 68, je crois, c'est. Ouais. Ou peine de 88, je sais plus. Je les confonds tout le temps. Mais c'est la mine plus épaisse. Voilà. Mais voilà. Il avance bien. Je crois que j'en ai plus qu'une douzaine à faire dans celui-là. Et bah, moi, ça me fera le plaisir d'avoir un autre bouquin terminé, en fait. Voilà. Il avance, il avance. Voilà pour le Tsum Tsum. Ensuite, pour le Mickey et compagnie, j'ai fait la page 17 et 18. Voilà. Je trouve que la double page, franchement, en soi, elle donne pas trop mal. Tout au feutre, sauf le fond. Alors, bah, mes feutres Faber-Castell. Hein, moi, je vous dis, j'ai qu'une seule gamme. J'utilise que ces feutres. J'arrive toujours à me dépatouiller. Et par contre, là, le fond, je l'ai fait au crayon de couleur Polychromos, estampé au White Spirit désaromatisé. Je vais y arriver, désaromatisé. Parce que là, bah, voilà, c'était un grand fond. Je me suis dit, tout ça au feutre, d'une, ça va me les vite terminer, quoi. Ça coûte quand même cher, les feutres. Et puis, je me suis dit qu'au crayon, ça ferait moins de traces. Donc, voilà. Et puis celui-là, pareil, le fond, il a été fait au crayon estampé à l'essence, sans, non pas l'essence, pardon, au White Spirit désaromatisé. Voilà, j'en ai fait que deux pour ce mois-ci. Voilà, je peux vous faire voir, j'ai déjà fait celui-là pour ce mois-là. Voilà. Et ensuite, on va passer au colo un peu plus, on va dire, travaillé, entre guillemets. Hein, voilà. Donc dans le Magical Down. Alors. Voilà, donc de Anna Carson, j'en ai fait un de Noël. Enfin, de Noël. Oui, de Noël. En fait, à la base, il n'est pas forcément Noël. Voilà. Alors, j'essaie de. Parce que, comme d'habitude, il fait un temps. Il y a du vent. Attendez, je suis en train de me battre avec le fil de ma. Oh, je vous fais bouger, je suis désolée. Mais j'essaye de faire un peu mieux de lumière. Donc, oui, voilà, ça va aller là, hein, on va se dépatouiller. Donc, à la base, en fait, c'était juste le cœur. Et je me suis dit que j'allais le faire un peu comme si c'était une décoration Noël qu'on allait accrocher dans le sapin, dans la maison, voilà. Donc, je trouve que ça a plutôt bien. Enfin, fait son effet, ça fait son effet, je trouve. J'ai rajouté la petite attache ici. Donc, il est fait au polychromos. Je suis en train de regarder parce que j'ai écrit à quoi elle sonnait, mais je sais même plus. Ah oui, bah c'est le fond. D'accord. Donc polychromos pour les crayons. L'aquarelle sonnée, c'est que pour le fond gris là. Je l'avais retravaillé un peu dans ma palette parce que je voulais. À la base, je voulais même qu'il soit encore plus clair. Mais bon, il a donné cette couleur-là. Moi, l'aquarelle, c'est pas ouf, mais bon, voilà. Ça a donné ça. Il y a du gel paillette et il y a de l'aquarelle nacrée action. Ah oui. Vous regardez dans le gris là. Un peu dans le gris, vous allez voir. Alors déjà, les ronds, c'est fait au stylo gel. Mais dans l'aquarelle, regardez, ça brille un peu. Vous voyez un peu là quand je bouge. J'ai mis. Enfin, en fait, le colo brille parce que comme je l'ai. Je sais pas si vous voyez. On voit un petit peu, mais de toute façon, l'aquarelle. Oh, j'arrête pas de faire bouger ma lampe, je suis désolée. Voilà. Mais moi, j'adore trop ce qu'il donne et j'adore trop ma pierre. Et ma pierre, par contre, je me suis aidée. Du coloriste spécial effect. Alors je ne sais plus quel numéro parce que je crois que j'en ai 3 ou 4 des 3 sûr. Et il y avait les pierres dedans, donc je me suis aidée pour faire la pierre. Voilà. Et franchement, je l'aime trop. J'aime bien ce qu'il donne. Et puis je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai pas écrit. Il y a je cherche mes mots encore, ça m'énerve. Du signaux là, blanc, pour faire là. Puis dans la pierre. Et puis là, ici, c'est du stickle que j'ai mis. C'était un nouveau stickle que j'avais eu pour mon anniversaire. Voilà. Donc j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais arrête-toi pas là. Essaye de retrouver un truc. Parce que moi, Noël, en mois de décembre, j'ai pas forcément trop le temps de colo. Je me suis dit, écoute, essaye de te retrouver un petit truc comme ça que tu pourrais faire, genre que tu pourrais détourner un peu en Noël et que ça ferait comme une attache. Attendez, j'ai envie de faire un truc parce que sinon je vais vous montrer les deux colos d'un coup. Je suis en train de me dire, attendez, je vais vous faire. Je vais essayer de cacher. Alors, parce qu'en fait, c'est une double page dont le colo qui était là. Voilà, je vais faire ça. Hop là.
Voilà. Alors, j'ai fait celui-là. Voilà. J'enlève la feuille. Alors, si vous connaissez le colo à la base, en fait, il n'y a que la rose et il n'y a que bah, voilà, la branche épine là. Et ben en fait, j'ai refait pareil. Donc, je pense que vous avez dû le voir, il me semble, dans le dernier vlog, je vous avais fait voir un petit peu le début de ce que ça donnait. Et je trouvais qu'ici, ça faisait pas beau, mais en fait, tout fait, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal, franchement. Alors là, voilà, j'ai refait ma petite attache pour dire que, bah voilà, c'est une attache. Voilà. Et puis là, j'ai mis. C'est utilisé quoi? Donc, crayon polychromos. Il y a du Posca rouge pour, parce que j'ai rajouté les petites. Je sais pas, les petits ronds rouges là. Ça y est, ça me revient aussi. Il me semble, ça va être carrément un gros bordel la vidéo. Je vous avais montré, en fait, ça ressemblait un peu à une décoration que j'avais dans ma cuisine. C'est pour ça que dans ma cuisine, il y avait des petites boules rouges, donc j'ai rajouté des petites boules rouges aussi. Il y a du signaux blanc. C'était pour faire un peu un effet givré. Je vais vous faire voir de plus près. Vous voyez, il y a un peu de blanc, enfin un effet givré, un effet un peu de neige que j'ai mis un peu partout comme ça. Voilà. Il y a du. J'ai déjà dit Posca. Ouais, ben voilà. Après, c'est de l'autre côté. Voilà. Et puis, il y a de la paillette aussi dans mes fleurs, là. J'ai contouré avec. Est-ce que vous allez voir? Ah, voilà. Vous voyez, ça brille. Dans ma rose, j'ai mis aussi un peu de gel paillette. Voilà, dans cette fleur-là. Voilà. Et franchement, j'adore trop ce qu'il donne. Moi, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Bon, après, vous me direz, hein, mais. Et j'avais parlé aussi que donc j'allais faire eh ben, la double page. Parce que la page d'à côté me disait bien aussi, j'ai repris exactement les mêmes couleurs que par là, sauf que bah, je ne l'ai pas fait forcément en mode Noël, quoi. Mais les couleurs allaient bien. Donc voilà, j'ai fait celui-là. Celui, je crois que franchement, c'est mon préféré du mois. Hein. Je l'adore. Et en fait, bah, celui-là, je venais de le finir. C'est là que j'ai rencontré Joël et qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on fait des colo battles, tu peux me mettre la photo d'un colo ici et tout. Puis je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'il faut comme coloriage? Elle m'avait dit ce que tu veux. Bah, comme celui-ci, je venais de le finir, bah voilà, j'avais envoyé celui-là. Donc j'aime bien, j'adore. Enfin, c'est pas pour me vanter, hein, mais moi, celui-là, je l'aime bien. Quand j'aime pas, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, Polychromos Drawing Posca Aquarelle Saunée. Alors, l'aquarelle saunée, c'est pour les effets branches, enfin branches, non, herbes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je sais plus si je vous en avais parlé dans l'autre vlog, je ne savais pas quoi faire dans le fond. Et mon mari est arrivé, il m'a dit, bah, écoute, t'as qu'à faire comme de l'herbe. Et il me dit, on croirait que ça fait un effet zoomé, comme ça, vous savez, qu'on voit en gros. Et alors, du coup, il me dit, t'as qu'à faire comme un effet herbe. J'ai dit, bah ouais, t'as raison. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un effet herbe à l'aquarelle. C'est pas ouf. Moi j'aime bien tout ça. Après le fond, je trouve que c'est pas lui qu'on voit en premier, donc ça passe. Voilà, je vais vous laisser de faire quelque chose à l'aquarelle saunée. Forcément, en dessous c'est de la pastel sec. Là en bas c'est de la pastel sec aussi. Et puis il y a de l'encre Winsor & Newton ici, là, dans le. Regardez, voilà. Ça brille bien, hein. J'aime bien cette encre. J'ai pris exprès mon temps, je l'ai fait qu'un tout petit pinceau. Est-ce que je l'ai là? Voilà, c'est un petit pinceau de chez Action, vous voyez, l'extra fin. Et ça, c'est de chez Action. Hein. Moi, je m'achète pas des pinceaux trop trop chers parce que de toute façon, j'en fais pas beaucoup d'aquarelles. Donc voilà, j'ai essayé de faire un effet aussi avec la pastel, un peu comme si sa couronne elle brillait un peu autour. Enfin voilà. Dans les fleurs, il y a du gel paillette. Allez-vous voir? Oui, voilà, on voit un peu dans toutes les fleurs. À chaque fois, les colos, ils brillent parce que j'ai mis de la. Moi, je mets cette bombe-là, j'adore. Je mets celle-là, moi. Voilà, comptez à Paris. Fixatif. Pour pastel, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Il y en a plein qui les prennent chez Action. Là, il va falloir que j'en essaye une. Je crois qu'il y a du mat et du brillant. Il faudra que je prenne plutôt du mat ou une de chaque, pourquoi pas. Mais voilà, celui-là, je traîne dessus parce que j'aime bien. Et je trouve que, bah, du coup, la double page, vous voyez. Et ça, là-bas, c'était une coccinelle. Mais je me suis dit, tout le monde va la faire en coccinelle rouge. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé par mes champignons. En fait, le pied de mes champignons, c'est du drawing. Et tout ça, c'est du poli. Et comme j'ai commencé à faire mes champignons rouges, je me suis dit, je vais refaire mes fourmis rouges. Si ça, la coccinelle, je la fais rouge.
Ça va trop faire de rouge, quoi. On va même pas, on va la confondre, quoi. Et je me suis dit, mais attends, des fois, il en existe des... Je sais pas si ça s'appelle des coccinelles, du coup, mais on voit des coccinelles noires à pois jaunes. Et ben voilà, je les fais noires à pois jaunes. Et j'ai repris exactement les mêmes rouges qu'à côté, le jaune, le vert. Il y avait un peu de marron. Je crois pas que j'ai mis du marron là-dedans. Mais bref. J'ai repris exactement les mêmes couleurs. Et vous voyez, là, ça fait Noël. Et là, ça fait pas Noël, pourtant. Donc, ben voilà. Voilà pour, ben, pour mes coloriages terminés, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Celui-là m'avait pris un peu de temps. Enfin, un peu de temps. Oui et non, parce que comme je savais vraiment ce que j'avais envie de faire, sauf pour le fond, et quand mon mari m'a donné l'idée, et bah après, du coup, j'ai foncé, parce que je savais quoi faire. Donc. Des fois, je traîne, c'est parce que quand j'ai pas trop d'idées pour le fond, je traîne. Mais là, j'ai dit, ah bah, t'es bien passé par là. Voilà. Ça, ça me refait une double page de fête. Et puis, c'était cette double page que j'ai pas pu vous montrer dans le tag double page que j'avais fait. Donc, voilà. Puis celle-ci, en soi, je trouve qu'elle donne pas grand-chose, juste la rose comme ça. Bon, bah voilà, c'est un petit peu fait. J'ai arrangé le colon, on va dire. Donc, voilà, voilà pour ça. Et puis là, je vais vous montrer mon cours qui est dans ce livre. Je sais pas, pour ceux et celles qui connaissent Twitch, j'arrive parfois à regarder, enfin, allez, c'est des un quart d'heure de live, parce que, surtout qu'en plus, là, c'est le live de Laïmiana, et Laïmiana est live le soir. Et moi, le soir, en général, quand je peux, je regarde. Et le truc, c'est que comme on n'a pas beaucoup de Wi-Fi, ça, j'arrête pas de le répéter, mais il suffit que mes deux filles en prennent, mon mari en prenne, bah, Twitch, j'arrive même pas à voir ses colos, son live en... Vous voyez, je le vois en flou, quoi, donc ça sert à rien. Donc, quand j'arrive à regarder 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, et puis, j'avais des points de chaîne. Donc, bah, je lui ai mis une récompense. Enfin, ça s'appelle comme ça, des récompenses. Et... Du coup, la récompense, c'était de choisir que... Enfin, moi, je choisisse un livre dans sa collection. Et elle, après, sur son ordinateur, elle fait aller, vous savez, les chiffres là. Et puis, elle est tombée sur le numéro 30, je crois. Donc, moi, j'attendais de voir si elle allait tomber sur une double page. Parce qu'elle serait tombée sur une double page, je n'aurais pas dit je t'accompagne. Mais là, comme elle est tombée sur une page simple, eh ben, je lui dis, bah, écoute, je vais t'accompagner et je vais faire le même colo que toi. Alors, c'est le livre Dromenvenger de Tomislav Tomic. Si vous vous souvenez, c'est dans celui-là où j'ai ma double page que j'aime pas, qui est là, je vous la remonte, mais voilà, quand on la regarde vite fait, ça va, mais voilà. Que j'aime pas trop, et je me suis dit, bah, comme ça, ça va me permettre d'y retourner, voilà, et voilà, c'est tombé sur ce colo-là. Donc, voilà, mon avancée. Alors, je suis pas ouf des pots, j'y arrive pas, enfin, je sais pas, j'y arrive pas, en même temps, j'en fais pas beaucoup, mais je l'avais fait une première fois. Une journée. Et là, c'est hier matin, je me dis, mais il n'y a pas assez de contraste. Elle faisait un peu fade. Donc, j'ai rajouté juste un peu une couleur un peu plus foncée pour qu'il y ait peut-être un peu plus de contraste. Voilà, je vous la fais voir d'un peu plus près. Voilà. J'ai pas envie d'y retoucher parce que je me dis, si j'y retouche, j'ai peur de la foirer. Et comme ça, elle me plaît pas trop mal. Après, il y a carrément, carrément, carrément mieux à faire en peau. Mais voilà, moi, c'est ce que j'arrive à faire. Et bah voilà, on va rester comme ça. C'est pas grave. Donc, bah voilà ce que j'ai commencé à faire. La Miana, je crois qu'elle l'a déjà bien avancé. Quand moi, je lui ai envoyé ce que j'avais fait là, elle avait déjà tout fait. Il ne lui restait plus qu'à faire le... qu'à contourer et à mettre des paillettes. Donc, voilà. Et puis, il me semble que là, il y en a... J'en ai vu un autre sur Insta, je ne sais plus qui. Qui, bah, justement, a dit qu'il l'avait accompagné, qu'elle l'avait accompagné. Et bah, elle l'a fini aussi. Mais moi, non. Parce que je vous dis, hier, déjà, j'ai fait un peu de point de croix. Donc, hier, j'ai pas colo. Et puis là, je pense que je vais m'y remettre un peu. Donc, voilà. Voilà mon cours du moment. Bon, après, elle n'est pas moche, je trouve, mais il y a un peu de traces quand même. Mais je trouve que les polis, bah, sur ce papier-là, ils sont pas ouf. Je sais pas, ils font pas comme d'habitude. Du coup, j'ai pris que les polis pour la peau. Et là, tout le restant, je fais au Artix. Ça, c'est un poli. Je vais vous faire voir un Artix. Voilà, ceux-là, les Artix. Là, avec les petites étoiles. Oui, ceux-là. Voilà. Et les Artix, ils font bien là-dessus. Ils sont un peu plus gras, je trouve. Donc eh bien, voilà. Écoutez, je vais vous laisser, hein, parce que ça fait déjà pas mal de minutes que je blablate. Là, sur la deuxième partie, ça fait déjà 15 minutes, plus mon ouverture, on va dire, du vlog. Je ne sais pas si je vous montrerai ce colo-là avancé. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je vous montrerai plus tard. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à plus tard.
Recoucou, nous sommes donc là le vendredi 13 et il est, je crois, presque 10h30. Donc voilà, je vous reprends juste quelques petites minutes pour vous montrer l'avancée de mon colo. Je vous avais dit que c'était dans le Tromenwenger de Tomislav Tomic. Hein, voilà. C'était un petit duo avec Laimiana, même un trio, je crois. Enfin bon, il y en a plusieurs qui l'ont suivi sur ça. Donc, Laimiana l'a déjà posté d'ailleurs, mais bon, moi, c'est. Voilà. Je prends un peu plus mon temps. Et puis, je colorie pas tous les jours, donc forcément, c'est un peu plus long. Mais, et ben voilà l'avancée. Donc, j'ai fini tout l'intérieur, sauf le bracelet. Je sais pas encore trop comment je vais le faire. Peut-être que je vais sortir mon encre hors Winsor & Newton, mais je me dis que ça va peut-être faire moche si je fais que le bracelet avec l'encre. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais le faire en rouge, la même couleur. J'en sais rien encore pour ça. C'est un détail. Donc voilà. Et puis là, en fait, j'étais en train de regarder la série Charmed. Parce que, en fait, je la recommence. Ça fait déjà au moins, je ne sais combien de fois que je la regarde, mais mon mari m'avait payé. En fait, ça fait le livre des ombres avec toute la saison dedans. Et puis là, voilà, je me la reprends. Et puis, c'est vrai que quand on colo, moi, j'aime bien regarder déjà des séries que je connais. Donc voilà. Écoutez, ça va être tout, hein. Voilà, je vous ai pris qu'une petite minute, mais voilà, c'était pour vous faire voir l'avancée. Donc là, j'ai pas fini, hein. Je suis en train de faire, vous voyez, tous les petits endroits où il y a les petits points en noir au Peppermate, et je trouve que ça fait pas de traces. Bon, par contre, vous voyez, regardez, on voit encore un peu à travers, je sais pas, ouais, regardez, ça fait un petit effet, mais ça me gêne pas, ça fait rigolo, enfin, ça fait rigolo, ouais. Ça fait un effet encore dedans, en fait, on voit encore à travers les... Mais voilà, ça me gêne pas. Quand on est de loin, ça se voit pas. Et puis quand on est de près, ça fait un effet dedans. Voilà. Et puis, vous voyez, ça fait pas de traces, franchement, le Peppermate. Il n'y a pas de traces du tout. Donc, bon, je vais peut-être le vider, par contre, mais c'est pas grave, je rachèterai. Donc, voilà. Je pense que ça va être tout. Tiens, le camion poubelle qui arrive. Je pense que ces fleurs-là, je vais les faire un peu comme l'intérieur des fleurs-là, en rouge et jaune. Il n'y a que ces trucs-là, je sais pas trop. Je pense que je vais les faire en vert. Les petits trucs là, voilà, tous les petites. Je pense que je vais les faire en vert. Je sais pas encore trop. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer par faire le noir. Je pense que j'en ai déjà pour un bon moment. Voilà. Et puis à l'intérieur, je pense qu'après, je mettrai des paillettes dans les ailes. Alors il y a un truc, ça a fait bizarre. Vous voyez, ça fait des points roses. J'ai pas compris. Par là, ça m'a fait bien des points blancs. Mais alors par là, ça m'a fait des points roses juste à cet endroit-là. Alors pourquoi? J'ai essayé de repasser du Posca, ça fait rose. Du signe blanc, ça fait rose. J'en sais rien pourquoi ça fait rose. Mais bon, c'est pas grave, ça fait rose. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous revoilà. Nous sommes le mercredi 18, il me semble. Et il est 10h30. Je crois que c'est ça, ouais, mercredi 18. Parce que la dernière fois que je vous ai repris, c'était vendredi 13. J'ai pas fait grand-chose durant ces quelques jours. J'ai eu pas mal de petites péripéties. Enfin, je vais vous expliquer vite fait. Donc bon, je vous ai pris vendredi. Samedi, j'ai fait l'ouverture donc à la boulangerie. Je me suis levée, il était 4h30. J'ai fini l'été 14h à peu près. Donc après, je suis allée chercher mes filles. Je suis rentrée. Enfin, j'ai mangé. Enfin, j'ai grignoté. Voilà, j'ai été me laver. Enfin, voilà, ça arrive vite, hein, le soir. Voilà. Dimanche, voilà, j'ai refait aussi ma. J'ai fait l'ouverture à la boulangerie, donc voilà, levée 4h30, je suis rentrée, il devait être 14h15. Mon mari me dit, bon les filles, elles sont couchées, elles sont pas bien. Je dis, ah, donc je vais les voir vite fait sans leur faire de bisous, parce que je voulais pas être malade non plus. Donc je leur fais un coucou, elles me disent, non, ça va pas, on a mal au ventre. Bon. Après, je vais voir ma plus grande, bon, elle avait ses trucs de fille, donc bon, voilà. Et en fait, je me mets à prendre, parce que quand je rentre tard, comme ça, je ne fais pas un gros repas, je fais comme un petit déjeuner. Et au moment où je suis en train de manger, il y a ma fille, maman! Donc mon mari vient aussi, forcément. Voilà, premier vomito, il a fallu nettoyer le premier vomito. Ensuite, voilà, on vide. Hein. Une demi-heure après, la deuxième, premier vomito. Oh, allez! Donc en fait, tout l'après-midi, ils ont fait que ça. J'ai compté, je crois que je me suis arrêtée à 6-7 vomitos chacune. Bon, je rigole, enfin voilà, il y avait très longtemps franchement qu'elles avaient été malades, mais en fait elles ont été chez ma belle-mère, et ma belle-mère a gardé ma petite nièce, et elle était malade en fait, donc du coup ils l'ont chopée là-bas, hein, ça y est pas de, voilà. Donc, comment vous dire que l'après-midi était pas ouf. Ensuite, le soir à 20h, j'ai ma plus petite qui dit, bon je vais essayer de m'endormir,
Donc, elle a éteint 20 h. Je ne l'ai pas entendue de la nuit. J'ai été voir une fois. Elle n'a pas été malade, rien. Tout allait bien. Par contre, ma grande, bon, bah, nous, le soir, à 20 h 30, j'ai dit à mon mari, je vais me coucher, je suis crevée. On va voir si elle nous appelle. Et 20 h, ouais, donc 20 h, 21 h, ma grande, maman, bon, d'accord. Après, je lui dis, écoute, tu appelles pas comme ça, tu ameutes pas tout le monde. Je lui dis, je vais mettre mon portable tout bas. Et je lui dis, si ça va pas, t'appelles. Donc après, bah, hop, 11 h moins le quart, j'entends mon téléphone qui sonne. Donc je vais voir ma grande rebelote. Et puis après, à 2 h du matin, je l'ai entendue aussi, mais là, elle m'a pas appelé. Donc je l'ai laissé un peu gérer. Après, le lendemain, elle m'a dit, non, il n'y avait pas grand-chose. Je suis désolée pour âme sensible. Mais elle me dit, je me suis débrouillée, ça a été. Donc, bon, c'est vrai qu'elles sont quand même grandes, les miennes. Donc, elles sentent la chose arriver. Donc, il y en a une avec une bassine et l'autre avec un seau. Donc, on s'est débrouillé. Mais bon, elles nous appellent quand même bah, pour qu'on s'occupe d'elles. C'est ça, papa et maman. Voilà. Ensuite, je regarde parce qu'il y a ma fille à côté. Du coup, après, donc le lundi, bah, ils n'ont pas été en cours. Hein, surtout que la grande a été malade encore la nuit. Donc, voilà. Le lundi, pour ma grande, c'est bien passé. Elle n'a pas été malade. Donc, je lui dis, bah, écoute, demain, tu retournes en cours. Elle m'a dit, oui, ça va. Par contre, la petite, bah, toute la journée, ça a été, mais vers 4 h 30, hop, elle a tout stoppé, elle était en train de regarder, je sais pas quoi, elle me dit, maman, j'ai mal au ventre. Bon, allez, hop, rebelote, deux vomitos. Et après, à 6 h 15, elle s'est endormie dans le canapé. Donc, je dis à mon mari, bah, c'est mort, elle va pas aller à l'école demain non plus. Hein. Donc, ma grande est retournée mardi, mais ma petite, non. Puis du coup, bah, comme là, on est mercredi, elle est en repos. Voilà le petit blabla du week-end. Donc, franchement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même avancé mon colo. Je vais vous le faire voir. Bah, lundi après-midi, en début d'après-midi, on a eu une petite pause. Donc, on a regardé un film avec mon mari. Moi, je me suis mis dans le canapé. J'ai avancé mon colo. Et puis, voilà. Donc, je vais vous faire voir ça. Et puis, donc, aujourd'hui, mercredi, bah, je travaille. D'habitude, je travaille pas le mercredi. Mais là, j'ai échangé entre mon mercredi et mon jeudi. Donc, là, je travaille pas demain. Parce qu'en fait, bon, bah, du coup, demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin, bah, pour la suite de ma thyroïde. Demain après-midi, j'ai le coiffeur. Et demain soir, on est trop contents. On a fait une surprise aux filles. On va voir un spectacle de Boudère. On était trop contentes. Moi, j'aime pas trop, franchement, les humoristes, les films où on rigole. Parce que moi, je trouve que c'est comme les genres camping et tout. Il y en a qui vont peut-être me. Mais moi, j'aime pas. Moi, j'adore les films d'horreur, les films catastrophes. Tout ce qui est comique, je suis pas trop pour. Mais par contre, Boudère, justement, il y a quoi? Il y a un mois de ça, je disais à mon mari, écoute, s'il y en a bien un que je veux bien aller voir, c'est Boudère. Parce que lui, je l'adore. Rien qu'à la regarder, en fait, on rigole. Donc, j'adore. Donc c'est cool, en plus on va le voir dans la ville où je travaille, donc c'est vraiment pas loin, c'est à 20 minutes. Donc jeudi soir, on va voir Boudère. Et là, ma fille, ça va, ma petite aujourd'hui, ça va. Donc on va pouvoir y aller, c'est cool. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer donc l'avancée de mon colo. Et puis écoutez, je vais clôturer ce vlog-là parce que du coup, là, j'ai pas fait grand-chose. Ça sert à rien de continuer à parler comme ça. Comme ça, bah, je reprendrai un vlog un peu plus tard. Parce que là, d'ici la fin de la semaine, j'ai du ménage et tout, donc je vais pas refaire beaucoup de choses. Et puis là, mon colo, ça fait tellement un moment que je suis dessus. En fait, il traîne dans le temps, mais j'y vais pas beaucoup, donc forcément. Et là, il m'énerve, il faut que je le termine parce que il m'énerve. Donc voilà ce qu'il donne. Alors, en fait, j'aime bien ce qu'il donne, hein, mais. Donc le voilà. Je vous fais voir, j'ai plus que les petites espèces d'arabesques là, les tiges. Ouais, donc j'aime bien ce qu'il donne, hein, mais là les tiges, j'en ai fait un peu, vous voyez, des vertes là. J'ai encore toutes les grosses à faire. Et puis après j'aurai les petites finitions à mettre de la paillette, tout ça. Donc en fait dans mon canapé j'avais fini tout le noir et j'ai fait les espèces de fleurs là. Il n'y a que celle-là au milieu, je pensais la faire pareil, mais du coup je me dis elle va pas ressortir, il faut que je trouve autre chose. Peut-être la faire en bleu. Je vais voir. Donc voilà, je l'ai presque fini, mais il me prend du temps. Hein. Il me prend du temps parce que je colo pas beaucoup et voilà. Donc eh ben écoutez, voilà pour ça. Ça va être la fin de ce vlog, comme je vous disais. Voilà. Là, il est quelle heure? J'ai dit 10 h 30. Ouais, je sais pas trop ce que je vais me mettre à faire parce que comme après, il faut que je parte travailler. Je vais préparer à manger. Je vais passer l'aspirateur. Voilà. Des trucs de maison, quoi. Mais du coup, j'avance pas. Et puis là, le point de croix, c'est pareil. Hein, j'en ai pas refait. Du tout, du tout, du tout. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à plus tard dans un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Et voilà, je vous dis à plus tard. Bye.